Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 8 de The Evil Within. Donc j'en profite rapidement pour vous dire donc ceux qui auraient qui voudraient ou qui auraient l'intention de enfin tout simplement oui qui auraient des questions à me poser pour un futur FAQ de la chaîne, et bien vous avez la possibilité d'aller sur Twitter en laissant simplement un message sur votre mur. Vous posez votre question tout simplement et vous finissez par hashtag tuto répond. De toute façon tout sera dans la description, donc je vous invite à lire la description si si ça vous intéresse. Alors on va éteindre la lumière. Ça marche pas. Il est con, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais c'est trop. Ah, ils se sont bien inspirés de Resident Evil. Bon. Ça c'est réglé. Alors et nous tiens saleté. Dernier. Oh, une petite statue. Une petite clé. Bon, alors. C'est bien sombre ici. Ça va se casser la gueule sur moi, tu vois.
Ça enchaînerait en boucle, ça m'étonnerait pas. Ouais. Mieux pas en prendre une dans la tête. Ah ben, j'en ai pris une dans la tête. Pardonne pas, une, c'est bon. On va tracer direct. Je me casse. J'aime pas ces passages comme ça là. Je m'attends toujours à ce qu'un truc qui me chope. Cérébrale absurde, observée chez les patients 25 et 33, et aussi chez le 55. L'unique facteur commun est un antécédent de troubles dissociatifs de l'identité. D'autres expériences sur le cortex préfrontal avaient causé une dégradation du sentiment identitaire, mais cette fois les résultats sont surprenants. Les pensées suicidaires des personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personnalité principale. La conscience de soi diminue, une forme de stase apparaît. Comme deux créatures siamoises contraintes de vivre ensemble. Dans une haine éternelle de l'autre. Délicieux. Ouais, ça dépend où tu te places. Délicieux. Ça dépend ce que t'aimes, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas, ça explose bien. Plus de munitions ? Merde, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Regardez-le là. Avec ses deux têtes. Vas-y, je fais n'importe quoi moi avec mes balles. Hein? Je peux les écraser en marchant. Ah oui, il y en a d'autres. Faut voir. Juste à marcher dessus pour les tuer. J'ai niqué toutes mes balles alors que je pouvais marcher dessus. Ah bah attends, je vais tous les écraser. Saloperie. Viens là, toi. Putain, mais il y en a partout. Tiens, viens là. Hop. Il n'y a plus. Petit dernier, non? C'est bon. Ouais, c'est parti. Ouh, il en chie. Il y en a un autre qui est... Ouais. Pas passer en dessous, on va donner un coup. Prendre une bonne douche. Oh, ouais, ça fait une bonne douche, ouais, ça fait tout propre.
et puis d'aller se ressalir avec des zombies. Ça, c'est pas un qui s'écrase. Il y en a plein qui s'écrasent, qui tombent. Laisse-moi tomber. Allez, vous se cachez. Je vous ai croisé. Petite pigouze. Voilà tout. C'était le dernier. Là, il n'y a plus. Ici. Voilà toi. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un poisson, les gars. Là. Tiens. Oh, je le sens pas ce passage encore. Non, c'est bon, ça passe. Alors, ça je prends. Je peux pas monter. Une petite corde, ouais. Bref. Alors. Oula, c'est quoi ce piège? Je sens pas le truc. Je le sens pas. Alors, je suis allé trop loin et c'était un piège. Bien évidemment, Sophia a tout fait pour m'arrêter, mais se rapprocher de la vérité était trop tentant. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais si proche. J'ai remarqué que... Qu'un œil fait... Ouais, putain, je suis en train de... Ils sont là, mais là, mais... Je suis sur deux, ouais, bon. Bref. Ouais, il doit y avoir un truc par terre, non? Là. Ok, c'est en train de me parler, là, maculé de sang. Ok. Du coup, logiquement, je devrais le mettre sur la face qui a pas de sang. Vu que c'est peut-être pas être la bonne. Celle qui a pris plein de sang. Voilà. Alors, il y a quoi là? C'est la suite. Et là, il y a quoi? C'est un cul-de-sac. Ok. C'est parti. What? Bon, qu'est-ce qui nous attend? Oula! Oula! Bon, alors on se retrouve dans un couloir chelou avec rien au bout, aussi un truc, un fragment de carte. C'est pas des bombes ça, les trucs rouges. Bon. Alors. Dad.
Doc. Doc, qu'est-ce qui se passe ici? Pas maintenant. Je dois trouver le moyen d'inverser cela si nous voulons l'arrêter. Qui ça? Ce Ruvik? Mais qui c'est ce type? Désolé, je dois me concentrer. C'est dans votre intérêt de me dire ce qui se passe, Doc. Vous avez besoin de moi. Nous travaillons sur une méthode. Comment expliquer cela? Comme pour interconnecter les cerveaux. Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, et bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Ça explique un peu plus. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. C'est un barjou, quoi. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, ouais. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. Pas tout à fait, non. Nous y contribuons tous à notre manière. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais... je dirais qu'il veut notre mort. Pas comme ça. Si un peu mal pris jusque-là, parce qu'il aurait pu me tuer plusieurs fois. Quelqu'un qui veut me tuer. Alors. Docteur ? Il est disparu. On dirait le couloir de la... l'hôpital, enfin l'hôpital, ouais, c'est... je n'arrive plus à parler. Mais... c'est l'hôpital. L'hôpital où on se retrouve entre chaque... entre chaque truc pour booster les stats et tout. Ouais, on dirait que c'est ça. Wow. Wow. Il est pas net lui, moi je m'arrête pas. Je continue à filer. Ah, on se retrouve là, d'accord. Ah, bah ouais, j'avais bien raison, on dirait. C'était le bon couloir. Trois fois plus long, mais cool. C'est déjà fini. Ah bah c'était court. Bah ouais ok, bon bah c'était le chapitre 8, donc il est assez court par rapport au précédent, donc bah écoutez, je vais peut-être le poster dans la d'affilée. Donc voilà, bah, bonne journée à tous, salut.